I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You're a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bon retour à notre émission pour la deuxième partie de ce spécial entièrement sur la lutte cette fois-ci. Yes. Je suis Nostradaben et me voici en compagnie de mon collègue, Johnny D. Comment ça va, mon Ben? Ça va, je vais falloir faire une crise de cœur à force yes. de ça. Content de te voir, mon Ben. Content de te retrouver pour cette deuxième partie. Grosse fin de semaine de lutte, mon Ben, avec la AEW Révolution. Oui, Revolution. Revolution. Qui, yes, gros pay-per-view. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Puis finalement, on a été servi à souhait. L'équipe de Tony Khan ont livré la marchandise avec des combats incroyables. Puis ce n'était pas des tapis, là, livrer la marchandise. Non. C'était des matchs de lutte athlétique qui valaient le prix du pay-per-view, je te dirais. Oui, c'est ça. Ils ont gardé une de bière sortant. Exact. Disons qu'ils ont compétitionné avec le clan Panton. Ça déménageait. Le clan Panton. Yes. Salut au clan Panton. Yes. Ça marche-tu encore, le clan Panton? Je ne le sais pas, puis je m'en calisse. OK, c'est bon. Alors, d'ailleurs, cette émission va être aussi dédiée à la grande légende de la lutte, Sting, qui... Je pensais que tu allais dire Virgil au début. Quoi qu'on peut en parler aussi, mais ouais, mais Sting, Steve Borden. Yes, qui a fait ses adieux hier soir à l'événement de Revolution. Et il y avait beaucoup de gens présents. Je crois que c'était dans quel amphithéâtre déjà? Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens pas. Là, on a de l'air. Peut-être un petit peu. Non, monte un petit peu. Descends de l'amphithéâtre. Encore. C'est au Greensboro Coliseum. North Carolina. Yes. Ouais, 16 000 attendance. Yes. D'ailleurs, c'est un record d'attendance lors de cet événement-là. Et puis, il y a des célébrités telles que Lex Luger, comment il s'appelle déjà? Magnum T.A. était présent aussi lors de l'événement. Et puis, il y avait beaucoup de gens. Là. C'était très émotif lors de cet événement-là. McDom T.A. d'ailleurs, que saison 4 Dark Side of the Ring, qui parle de son accident. Tout à fait. Très intéressant. Ric Flair aussi était présent lors de l'événement. Et plusieurs autres. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mon Ben, mais ils ont sorti un T-shirt. Moi, j'ai eu ça parce qu'il y a quelqu'un... Ouais, mais tu l'as publié hier, j'ai vu. Qui était à l'événement hier. Puis, ils ont sorti un chandail live là-bas que tu ne peux pas acheter sur le AEW Shop. OK, c'était juste One Night Only. Oui, en special edition, avant le show, sold out. Ah oh, ouais, ça a dû se vendre comme des petits ponchos. Puis, dans le fond, c'était le logo comme ça, avec la face de Sting dessus. Oui. Juste ça. Puis c'était marqué comme One Last Match dessus. Ouais, il a commencé genre en 81-82 qu'il a commencé, ouais, jusqu'en 2024. Ouais, c'était vraiment un super de beau T-shirt. D'ailleurs, c'était la grande finale, mais on va quand même passer les résultats en revue. Là. Durant le Zero Hour, il y a eu The Bang Bang Scissor Gang, dans le fond. Tu vois, marqué Gang Bang? Non, c'est ça. Max Caster, Anthony Bowens, Billy Gunn, Austin Gunn, Colton Gunn, les fils du légendaire Billy Gunn, avec Jay White, qui ont affronté Jeff Jarrett, Satnam Singh, Jay Lethal, Willie Mack et Private Party. Avec nul autre que Jeff Jarrett. Quand même un bon combat là, dans son un 12-man tag team match. Et puis, c'est... Petit combat pour réchauffer la salle, comme on oui, dit. Oui, oui, c'est ça. Et puis, c'est l'équipe de Jeff Jarrett là, qui ont remporté le combat. Non. C'est l'équipe de Jeff Jarrett qui a perdu le combat. Excusez-moi. Mon Dieu, je suis dans les patates, là, matin.
Ensuite, la deuxième partie du pré-show. Oui, c'était le combat par équipe entre Chris Statlander, Willow Nightingale contre Julia Hart, la TBS champion, et Sky Blue. Yes. Avec une victoire de ses premières, car ses dernières ont perdu. Yes, comment tu as trouvé le combat? Ouais, match de femme, c'est un match de femme. Mais ouais, c'était. Ouais, c'était correct, là. Tu sais, c'était un petit combat, là. Deuxième carte, tu vas aller te chercher un popcorn, nous. Tu vas aller aux toilettes, c'est parfait. Mais tu m'avais dit que Julia Hart, c'est une championne de transition. Je me sens que ça fait un bout qu'elle est championne. Hein. Ouais, moi, je m'attendais à ce que. Mais, tu sais, il va y avoir l'événement, là, qui s'en vient de l'AEW, là, prochainement, là. T'as peu, là, cherche le nom rapidement, là, c'est pas Big Boss, quelque chose du genre. Puis, tu sais, ils vont annoncer Big Business, excuse-moi. Big Business. Ils vont annoncer Sasha Banks pour l'événement. D'ailleurs, dans le petit visuel. Ah, là, ils vont approcher à l'os, c'est sûr. Ben, tu sais, on va vous le montrer, le petit visuel, puis vous allez pouvoir en conclure quelque chose. Tu sais, dans le visuel, Ben, là, si tu regardes comme il faut, là, à gauche, c'est le Garden Boston, puis ils ont mis... Ben, le TD Garden. Signes, ouais, c'est ça, ils ont le TD Garden. Ben, ils ont marqué Boston, mais avec deux signes de pièce. Ouais, ça laisse croire. Fait que, ça laisse croire à... Mais ça va être Mercedes Money, probablement. Oui, 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 c'est Mercedes. Ben oui, c'est ça, c'est un copyright WWE, Sasha Banks. Là. Ah, c'est ça. Fait que, attendez-vous pas à ce que... Ben, ça serait un foutu pied de main que, genre, Mercedes Money soit à WrestleMania. Mais qu'elle soit pas là, ça se peut quasiment pas. Là. Mm. Mais d'ailleurs, moi, je m'étais fait dire que Mercedes Monet, il avait decline son offre parce qu'elle chargeait trop cher pour aller lutter à I. Ouais, ben là, je. Ah, fait que ça serait peut-être. La famille Khan a un moyen de la payer, probablement. Là. Ouais, mais tu sais. Il y a un moyen de runner une fédération d'avoir les Jaguars de Jacksonville sont capables de payer. Non, je sais, mais tu sais. Splitteuse de 30 ans, mettons. Ted Turner aussi était capable de payer les plus grands lutteurs, puis ce qui est arrivé à un moment donné, il a tiré à la plug, tu sais. Ouais, mais là, on fait des erreurs tout de gestion. Pis, ouais, c'est sûr, c'est une autre ère, comme on dit. C'est pas. Ça pourrait faire partie d'une émission qu'on pourrait parler éventuellement. Tout à fait, tout à fait. Par la suite, il y a eu Christian Cage avec Kill Switch, a.k.a. Luchasaurus. Mother Wayne et The Prodigy Nick Wayne qui ont, ben en fait, Christian Cage a défait Daniel Garcia by pinfall pour le TNT Championship, et a conservé son titre. Ça en a un autre aussi qu'on pensait que ça allait peut-être être un champion de transition. Et non, puis, finalement, yes. Ensuite, veux-tu poursuivre, mon ami? Eddie Kingston qui a battu Bryan Danielson, single match pour la Continental Crown Championship. Yes, comment tu as trouvé ce combat-là? Solide, là. Ben, Bryan Danielson pourrait faire un match, un bon match contre une tranche de jambon, là. Avec un pogo. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Yes, c'était vraiment fabuleux. Par la suite, il y a eu... Un pogo, ça? Wardlow, qui a... Adam Cole, Mike Bennett, Matt Taven. Ah, Marriott t'es pas là, c'est... Non. Ils ont défait Chris Jericho, Powerhouse Hubs, Lance Archer... Avec Chris Mania, ben trop de monde. Hey, Jake the Snake, Hook, qui est le fils à Taz. Ouais. Brian Cage, Prince Nana. Yes, Prince Mac, Nana, notre ami Prince Nana. Salut, Prince. Et Dante Martin, by pinfall. All-Star Scramble Match. The winner receive a future AEW World Championship match. Yes, et c'est qui a gagné? Ben, Wardlow et son équipe. Wardlow, c'est... Par la suite, il y a eu un petit combat là, pour l'International Championship. Donc, un petit combat de 12 minutes, un petit combat. Ouais, c'est ça. Ça se déchoppe. Roderick Strong a défait Orange Cassidy par pinfall. Donc, la ceinture a changé de main. Nouveau champion international. Yes, ouais. Ben, ça va faire du bien parce qu'honnêtement, j'aime beaucoup Orange Cassidy, mais tu sais, c'est comme manger tranche de jambon tous les jours. Là, à un moment donné, tu t'es cœur, là, tu sais. Fait que, ou des pogos. Ben, c'est... Yes, avec des pogos et de la maillot, on m'a donné un petit écart. Blackpool Cobra Club, Cobra Kai, à ce temps, Combat Club, John Moxley, Claudio Castagnoli, anciennement Cesaro, ils ont battu FTR, Dax Harwood et Cash Wheeler by Technical Submission. Un excellent combat qui était vraiment fabuleux. Et puis d'ailleurs, les gars sont arrivés habillés comme les Legion of Doom. Avec les gros épaulettes. Powers of Pain, c'était en crise.
Yes, c'était vraiment hot. La Marilyn Monroe des temps modernes, Timeless Toni Storm, yes, avec Maria May et Luther. Elle a conservé son titre face à Deonna Purrazzo au sorti du Women's Championship. Yes, il y a eu un foutu gros combat qui aurait pu durer encore 20 minutes. On va faire partie des Match of the Year. Ouais, ouais, ouais. Will Ospreay a battu Konosuke Takeshita by pinfall. Un excellent combat, une fois de plus. Hein, des beaux spots, des beaux renversements. C'était vraiment ça. C'était digne de faire partie du show. Oui. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Moi, je donne un bon 9 sur 10 sur ce combat-là. Dans un triple threat pour le championnat du monde AEW, Samoa Joe a conservé son titre contre Adam Page et Swerve Strickland. Strickland, que j'aime pas du tout, mais qu'il semble, tu sais, il fait la pluie et le beau temps partout ce qui passe en ce moment. Fait que... Et puis, la grande finale était composée des champions par équipe qui ont conservé leur titre par équipe. Il s'agit de Sting qui faisait son dernier combat face à et avec Darby Allin, bien évidemment, accompagné de Ric Flair, mais aussi de Garrett Borden et Steve Borden. Ces petits garçons! Les fils légitimes de Sting ont fait leur entrée. Donc, du côté droit, on peut voir les générations là, peut-être futures, on ne sait jamais, qui étaient costumés de l'ancien Sting WCW dans les années 90. Le Sting Wolfpack de la WCW pour rappeler en mémoire leur père. Et puis, vas-y mon ami. Ben, ils ont sorti victorieux face aux Young Cucks. Young Bucks. Young Bucks qui est composé de Matt et Nick Jackson. Yes. Par soumission, fait que c'était le Scorpion. Oui, tout à fait. Et puis, durant ce combat-là, il y a eu un spot incroyable du haut de l'échelle. Darby Allin en a donné de toutes les couleurs. Jeff Hardy Jr. Un front flip, Swanton Bomb à l'extérieur du ring au travers d'une vitre et de des chaises en métal. C'était comme complètement débile. Ça fait en ce moment le tour du web. C'est quelque chose que vous devez absolument voir. C'est incroyable. Ce gars-là s'est donné. Il voulait vraiment faire un gros hommage à Sting, que les gens se souviennent de ce combat-là. Puis il voulait surtout aussi que, il ne faut pas oublier, le futur de Darby Allin. Que se passera-t-il avec Darby Allin pour le futur? Parce que là Sting quitte l'an. Ils ont conservé leur titre. Oh. Moi, je me suis fait dire que les titres par équipe, exactement, vont être vacants. Et il va y avoir un tournoi qui va débuter prochainement pour déclarer les prochains champions par équipe. Selon Nostradamus et sa boule de cristal, qui penses-tu qui pourrait remporter les prochains titres par équipe? C'est pas facile. Moi, je dirais, mettons, c'est sûr que là, on aimerait ça dire autrement, probablement les Young Bucks. Là. Sinon, Darby Allin avec un partenaire mystère qui va éventuellement se faire congédier de la WWE, je sais pas qui. Ben écoute, je veux juste je veux te parler de ma théorie, ok? Vas-y. Tu me diras ce que tu en penses. Depuis le dive de Darby Allin, il y a beaucoup de messages qui passent sur Internet en ce moment. Okay? Les gens l'appellent Darby Allin is not a human. Tu me vois venir? PCO is not a human. Ah ouais! Mais il n'est pas TNA. Ouais, mais. On ne sait jamais. Ah, peut-être son contrôle. Ouais, je sais peut-être pas. Son contrôle, ouais. Ça serait fabuleux de les voir ensemble. C'est un personnage qui fit très bien avec Darby Allin. Il prendrait le tag, par exemple. Mais ça serait incroyable. Quoi qu'il est capable de diver et tout. Les deux, man, en équipe, ça serait complètement débile. Il reste à voir. Puis moi, ma théorie sur Sting, j'ai l'impression que. On va faire comme Terry Funk. Dans 6 mois, il va recommencer pour faire un match. On va faire comme Flair, là, genre. Là. Quand il criait Forever! Forever! Chris, deux semaines après les luttes. Non, mais c'est ça, tu sais. Non, mais c'est ça. C'est ça, la lutte. Tu sais, ta théorie, on en parlait tantôt, juste avant de poursuivre. Puis, ta théorie, que tu penses qu'il pourrait pogner Taker à WrestleMania? Parce que Taker, il est fait en... Il est rendu quasiment en aluminium, c'est quasiment un robot. Là. C'est peut-être changé les os dans le corps. Ah, je le sais, mais tu sais. C'est sûr que Sting a un contrat, même si son contrat, il faut qu'il l'achève, là.
sais, il a fini de lutter, là. Il peut pas arriver. Moi, le mois prochain, je m'en vais lutter à Mania. Il y a un contrat, il faut qu'il le respecte. Puis, tu sais, j'imagine que ça tient un petit peu moins en y repensant. Mais c'est pas obligé d'être le Mania de cette année. Ça peut être l'année prochaine. C'est sûr que là, en ce moment, Ben, c'est WrestleMania 40. Je me demande où est-ce que la carte s'en va. Parce que pour vrai, il y a pratiquement pas de combat d'annoncé. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Là, ça va se développer, c'est dans un mois exactement, d'après. C'est le 6 et le 7 avril. Oui, c'est ça. C'est dans pratiquement jour pour jour, un mois. Donc, il va falloir qu'il se passe des choses. Parce que, puis toi, selon toi, là, tes théories pour WrestleMania, je te pose la question, puis chers auditeurs, j'aimerais ça que vous mettiez ça en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il va... Est-ce que tu penses et est-ce que vous pensez que The Rock va faire un turn sur Roman Reigns lors de WrestleMania pour faire remporter Cody Rhodes pour finir cette histoire? Une manière de ne pas faire perdre la face à Roman Reigns. Dans le fond, ça serait ça. Oui. Puis pour l'avoir évoqué, peu importe le gagnant, c'est sûr des mêmes plus vient caché. Là. Parfait. Fait que si on fait un deal, ouais. si Rock il turn sur Roman Reigns, tu me donnes une chop pendant une émission. Ouais. Puis si c'est l'inverse, qu'il se passe rien, je te donne une chop pendant une émission. Ou j'anime une émission avec une paire de bobettes sur la tête. C'est bon. Je peux faire ça aussi. C'est un deal. Parfait ça. Fait que, ouais, c'est un très, très bon deal. Méchant que, deal, hein? Ben oui, ben oui. À pas perdre. À pas bête ou à pas perdre? Ah, je sais pas. On va voir mon pogo. Yes. Alors, c'est ici que se termine notre émission sur AEW Revolution 2024. Mon nom est Jonathan Drapeau, a.k.a. Johnny D. J'espère que vous avez apprécié cette émission que j'anime de tout cœur avec mon partner Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradaben. Hein? Merci, Ben. Nostradaben. Qui prédit le futur de tout le monde. Et qui avait pas qui arrachait le fil. Mais bon, c'est ça. On se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas. Au revoir.